interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spéciale. Quand ça arrive, c'est que c'est parti. Les passagers et de la nuit. Les passagers de la nuit, ce soir, on poursuit le salut à Eric Rohmer. À la fin de 2009, il y a quelques semaines à peine, Eric Rohmer avait accordé de longs entretiens à Noël Herp et Philippe Fauvel pour Les Passagers de la Nuit en vue d'une série en 6 volets réalisée par Manouchak Fachaï. Une série sur son rapport aux différents arts, qui est en fait un retour sur un texte que Rohmer avait publié en 1955, Le celluloïde et le marbre. Noël Herp et Philippe Fauvel, vous êtes avec nous pour nous présenter cette série dont on va entendre ce soir, les deux premiers volets. Alors justement, il faut peut-être parler, avant d'entendre justement le propos de Rohmer et votre production commune, parler de ce texte, Le celluloïde et le marbre. C'était quoi exactement ce texte paru en 1955, Noël Herp ? Eh bien, en 1955, dans les cahiers du cinéma, en 5 livraisons, Eric Rohmer, qui était un disciple d'André Bazin, mais qui en même temps faisait partie de ce qu'on appelait les Hitchcock-Hawksiens, c'est-à-dire la bande à Truffaut, à Godard, qui se démarquait un peu de la qualité française et qui admirait des cinéastes américains alors méprisés par la critique française. Eric Rohmer, il faut rappeler que Truffaut venait de faire son fameux manifeste Une certaine tendance du cinéma français. Dans les mêmes pages, en 54, qui avait fait scandale. Et Eric Rohmer va lui faire aussi son manifeste scandaleux avec Celluloïd et le marbre, qui est une sorte de passage en revue très polémique de l'art moderne, où il passe en revue tour à tour le roman, la peinture, l'architecture, la musique et la poésie, et où il nous montre finalement le cinéma comme seul survivant dans un champ de ruines. L'art moderne, c'est la sclérose absolue, c'est l'enfermement dans l'artifice, dans la recherche formelle, dans une expérimentation qui s'est coupée de la nature. Le cinéma, par son classicisme, par son réalisme, par son rapport à l'humain, par son universalité, est le seul art capable de retrouver un nouveau souffle et de nous apporter une sorte de nouvelle foi. Il y a quelque chose évidemment de très réactionnaire dans ce discours, mais en même temps de provocateur, d'assez réjouissant parce que c'est très brillamment écrit. C'est sans doute la raison aussi pour laquelle Rohmer n'a pas voulu pendant longtemps que ce texte soit republié, mais il a accepté pour nous de revenir 50 ans après sur ses propos de naguère. Justement, pourquoi revenir ? Lui-même était déjà revenu, il en avait fait une série pour la télévision, oui. De ce texte-là. Pourquoi revenir 54 ans même après avec lui à ce moment qui était, c'était quelqu'un qui avait déjà son âge. Oui. Pourquoi revenir à ce moment-là avec, sur ce texte qui a 54 ans ? Moi, ça m'a toujours, personnellement, c'est pas ce que dira Philippe à ce sujet, mais ça m'a toujours paru paradoxal que Eric Rohmer ait ce rapport très critique à l'art moderne, cette espèce d'adoration du cinéma comme finalement le sauveur des autres arts, l'art ultime qui va en quelque sorte sauver les arts qui le précèdent de leur sclérose. Enfin, bon. Et en même temps, c'est le cinéaste qui cite le plus les arts dans son cinéma. Eric Rohmer a souvent dit l'art, le cinéma est l'art qui peut le moins se nourrir de lui-même. Et en effet, à la différence de Truffaut, par exemple, ou de Godard, c'est quelqu'un qui cite peu les cinéastes qu'il admire, mais qui ne cesse de citer la peinture, de citer le théâtre, de citer la musique. Donc, comme si le celluloïde avait besoin du marbre pour éprouver sa vitalité, comme si le cinéma avait besoin des autres arts pour se montrer qu'il est le plus jeune et le plus vivant. Et oui, Philippe Fauvel, le plaisir qu'on a à entendre Rohmer dans cette production, et notamment dans les deux premiers volets qu'on va entendre dans un instant, c'est d'entendre un homme de culture qui aime partager sa culture, et j'allais dire même un jeune homme de culture. C'est ça, c'est à la fois un passeur, un enseignant, il a été enseignant. Pour revenir sur la question de pourquoi 50 ans après le questionner sur le celluloïd et le marbre, quelque chose qui nous paraissait assez évident, c'est qu'il n'a pas encore sorti de long métrage en 55, et on savait que Les Amours d'Astrid Céladon était son dernier long métrage, il l'avait dit, et donc l'interviewer après, alors qu'il a bouclé la boucle, finalement. C'était ça aussi. C'était aussi une manière de faire un état des lieux et de voir si 50 ans après, il avait un jugement tout aussi négatif sur l'art moderne. D'une certaine manière, il nous a dit que oui, mais avec beaucoup d'humour. Il faut dire que très souvent, dans ses entretiens qui ont duré assez longtemps, puisqu'il a été très généreux de son temps, il nous a gardé à chaque fois 3 heures pour parler de 3 après-midi successives. Et il faut dire que ça dégomme. Hein. C'est-à-dire qu'il dit franchement qu'il n'aime pas Cocteau, il n'aime pas André Breton, il n'aime pas les surréalistes. C'est très sautillant. C'est pas du tout testamentaire.
comme entretien. Ah non, pas du tout. Et c'est quelqu'un de très vivant, de très drôle, et je dirais même enfantin. Hein. Il avait une lueur dans l'œil lorsqu'il nous racontait comment, lorsqu'il était gamin, il recopiait les toiles de Le Lorrain ou le paysage qu'il voyait de sa fenêtre lorsqu'il était enfant à Tulle. C'est quelqu'un qui avait gardé un esprit d'enfance, une fraîcheur, une fidélité à lui-même. Et je crois que c'est ce qui permettait qu'en 2007, il fasse encore un film aussi jeune que Les Amours d'Astrée de Céladon, qui est son dernier film et qui se termine sur cette réplique magnifique « Je vis ». Et Romère, c'était la vie. Premier volet de cette série qui comportera 6 chapitres qu'on diffusera. C'est les deux premiers, on va les diffuser ce soir et les rediffuser à la mi-février et ensuite les 4 autres épisodes. Le premier, ce soir qu'on entend, c'est sur le roman. Premier épisode, le bandit philosophe. Et il s'en va à grande allure, par la grande forêt obscure. Chevauche depuis le matin, tant que le jour vienne à déclin. Non, je suis catholique, mais je n'ai jamais compris Mauriac. Dans la mesure où je suis catholique, ou tout au moins j'essaie de l'être, ça ne va pas du tout dans le sens de mon catholicisme actuel. C'est justement parce que je suis chrétien que je m'insurge contre ce rigorisme. Ou alors si le christianisme, c'est ça, moi je suis athée. Si je comprends bien, Éric Romère, vous êtes catholique, mais vous n'aimez pas Mauriac. Vous êtes le défenseur d'une culture classique, mais dès la fin des années 40, vous avez parié pour la modernité. Au fond, moi, je doute profondément que l'histoire ait un sens. Pourtant, je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation pascalienne. Hypothèse A, la vie sociale, toute action politique est totalement dépourvue de sens. Hypothèse B, l'histoire a un sens. Je ne suis absolument pas sûr que l'hypothèse B ait plus de chances d'être vraie que l'hypothèse A. Je vais même dire qu'elle en a moins. Néanmoins, je ne peux pas ne pas parier pour l'hypothèse B, parce qu'elle est la seule, celle, je veux dire que l'histoire a un sens, parce qu'elle est la seule qui me permette de vivre. La modernité, c'était d'abord une littérature américaine que vous découvriez après-guerre. Qu'est-ce qui vous plaisait dans les romans de Faulkner ou de Hemingway ? C'était, comme on disait, leur behaviorisme ? Non, c'est pas le comportement, si vous voulez, qu'il n'y ait pas ce qu'on peut appeler de psychologie active, c'est-à-dire de commentaires psychologiques de l'auteur pour les personnages. Mais tout ça, c'est très subtil, en fait. Rien ? Rien. Rien, rien ? Absolument rien. Positivement rien. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé, je n'ai rien fait. Je fais même de moins en moins. Je vais en arriver au rien absolu. C'est très difficile. D'ailleurs, tu ne fais pas rien, tu lis. Moi-même, j'avais écrit un roman. Je vais commencer par me lancer dans la littérature. Alors, ce roman n'avait pas eu de succès critique, bien qu'il annonça d'une certaine façon, je dois le dire, qu'il annonça un nouveau roman. Ensuite, j'ai pas eu d'idée. Je crois qu'on pense toujours trop. L'important, c'est pas de penser, mais de participer. Un bouquin, ça me fait penser dans une certaine direction qui est celle du bouquin. Ce que je ne veux pas, c'est penser dans ma direction à moi. Mais en fait, j'ai écrit ce roman. Mais ensuite, j'ai détesté ce roman. J'ai voulu m'en éloigner. Parce que j'ai pensé que c'était une issue qui était fermée et que les Américains avaient dit ce qu'ils avaient à dire et que nous, on ne pouvait pas faire la même chose. Alors, à ce moment-là, j'ai changé. J'ai lu Melville, par exemple. J'ai lu un roman de Melville. J'ai pensé que j'étais plus proche des écrivains de la fin du 19e siècle. Et c'est pourquoi j'ai écrit mes contes moraux, qui ont été refusés par l'éditeur. Mais ensuite, ces contes moraux m'ont inspiré le cinéma, alors qu'ils sont très loin du cinéma, alors que ce roman La Maison d'Elisabeth, qui est assez proche du cinéma, et dont certaines scènes ressemblent à des scènes de mes films, ne m'a pas inspiré du tout. Voilà, c'est tout simplement le paradoxe. Oui, c'est ça. Je ne cherche rien. Si je trouve un bouquin, je le lis. Si c'est Rousseau, je lis Rousseau, mais je pourrais tout aussi bien lire Don Quichotte. Je résume. Vous avez écrit un premier roman cinématographique avant d'écrire des films qu'on dira littéraires. Pourquoi ce nouveau pari pour le cinéma ? C'est par le cinéma que j'ai réussi à m'exprimer mieux.
Un Paris que vous évoquiez en 1972, peu après le tournage du Genou de Claire avec Jean-Claude Brialy. Ce n'est pas seulement, disons, parce que je ne suis pas doué pour la littérature. Enfin, c'est un peu plus vaste que ça. Enfin, je ne parle pas seulement de moi, mais je peux parler de ma génération. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une certaine crise de tous les arts, et en particulier des arts qui font appel à l'écriture. Autant Doniol Valcroze était bavard, autant Godard était curieux, autant Chabrol était drôle. Et on ne peut plus écrire comme autrefois, et il faut mettre en question la langue elle-même. Autant Truffaut était débordé parce que lui, il était critique au journal Art. Non seulement la rhétorique, non seulement le style, l'expression, mais presque jusqu'à la langue, c'est ce qu'a fait la nouvelle poésie et ce qu'a fait le nouveau roman. Romère, lui, rentrait, sortait, je veux dire, c'était une espèce d'ombre. Alors, ou bien on accepte cette mise en question. On va jusqu'au bout, avec tous les risques que cela comporte, c'est-à-dire le risque même de la page blanche. Ou bien peut-être qu'on se réfugie dans un art dans lequel le classicisme de l'expression est encore possible. Cette mission du 7e art, vous l'aviez annoncée dès 1955, dans une série de 5 articles pour les Cahiers du cinéma. Qu'est-ce que vous vouliez dire en opposant le celluloïde et le marbre ? Le celluloïde, c'est la pellicule, c'est nous. Et le marbre, c'est le musée, c'est vous. Oui. Et on peut dire d'ailleurs que maintenant, la pellicule entre au musée et que le marbre n'est plus le marbre. Mais l'idée m'est venue précisément, je voulais essayer de situer le cinéma par rapport aux autres arts et de montrer que il était digne d'attention autant qu'un roman, autant qu'un poème. Et je voulais montrer également pourquoi moi-même, enfin, finalement, pourquoi quelqu'un de ma génération s'intéressait plus au cinéma et voulait faire du cinéma plutôt qu'écrire des romans. Impossible que je vous conte comment il advint à chacun. Le premier de vos articles était consacré au roman. Un art devenu impossible, à votre avis, exception faite du témoignage vécu. Il est dans nos lettres actuelles un bandit philosophe. De l'aveu de presque tous, le meilleur écrivain depuis 10 ans. Ce n'est nullement diminuer le mérite de Jean Genet que de croire exceptionnelle son expérience de voleur et de dévoyé. Dirais-je que cet auteur me ravit au même titre que les grands maîtres du roman ? Non. Sans doute en raison même du caractère restreint de cette expérience, ce même caractère qui fait aussi son attrait. Où est-il mis le journal du voleur ? Par là. Aïe ! Tu as fini, quoi ? Oui, le grand, le vrai romancier a besoin d'être détaché de ce qu'il compte. Suzanne ! Mais je ne vois pas dans la littérature moderne de place pour le vrai romancier. Ce maître ouvrier ne trouvera nulle part son rang dans nos usines. Le cinéaste, au contraire, malgré la machinerie compliquée dont il s'entoure, est resté un artisan bonhomme, comme ailleurs on n'en voit plus. J'aime ce classicisme authentique et naïf dont sont marqués les films que j'ai cités. Je n'en sais que mieux résister aux séductions d'un néoclassicisme stérile. Et le valet se tient assis près de la dame. Et mot ne dit... Mon amour du cinéma me fait refuser à la fois une littérature empruntant au film son vernis le plus superficiel et celle qui se croit hors de l'atteinte de toutes les contagions de notre temps. Que le prud'homme lui donne. D'elle, c'est au contraire le dernier venu des arts qui est le mieux il à l'abri. Trop parle comme fait. Ce n'est pas toujours facile de vous suivre, Éric Romère. Comment se fait-il que le romancier n'ait plus eu droit à la fiction ? On ne pouvait plus faire comme Balzac, c'est-à-dire se documenter et puis écrire des romans, il fallait les avoir vécu. Maintenant, voilà ce que je disais. Est-ce que j'avais tort ou j'avais raison ? Je n'en sais rien. Parce que actuellement, je ne vois pas tellement la différence entre le film et le roman, c'est-à-dire pour le cinéma, on pourrait dire pareil. Ce sont des idées un peu péremptoires. Bon, si je prends par exemple Melville, a tout simplement vécu par la série noire, parce que quand je suis allé chez lui, j'ai vu dans sa chambre tous les bouquins de la série noire, oui. Dans le train, je préfère de beaucoup le livre au journal, mais pas seulement à cause de la commodité du format. Le journal ne mobilise pas assez mon attention et surtout ne me fait pas suffisamment sortir de la vie présente. Mon trajet, matin et soir, correspond à peu près à la dose de lecture que j'aime absorber sans interruption. Ne blâmez donc pas le cinéma d'avoir un langage plus classique que le roman. 10 ans après, vous avez refait le celluloïde et le marbre pour la télévision.
Alors ce n'est plus le cinéphile que je représente qui juge les autres arts, ce sont les autres artistes autres que les cinéastes qui jugent le cinéma. Je déplore en ce qui me concerne que le cinéma soit resté une esthétique d'il y a, pour la moyenne des films, disons 100 ans. Et il y avait, en ce qui concerne la littérature, alors Claude Simon, avec qui j'ai eu une discussion assez vive. Moi je ne suis pas de votre avis, en fait. Même, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Mm-hmm. Enfin, je pense que le souvenir est une chose et que le présent est une autre. Enfin, je pense que, du point de vue du cinéma, il est impossible de confondre la perception et l'imaginaire. Enfin, ça me paraît impossible. Mais ce qui est imaginaire, c'est ce que vous construisez vous-même. Enfin, c'est ce que... Mais nous construisons tout, nous-mêmes toujours. Qu'est-ce que la réalité? Ben, non, parce que le cinéma nous montre quand même que la réalité est quelque chose de donné. Esprit, es-tu là? La famille des Stewart. C'était une vieille famille. Hein. C'est oui. Et Stevenson, Esprit, qui es-tu? Ben moi, j'ai dit ce que j'aime pas dans ce cinéma-là, c'est qu'on met sur le même plan la perception présente et le souvenir. Alors qu'on ne peut pas, et quand on les confond, que le spectateur se demande si c'est un souvenir ou si c'est une chose qu'il a sous les yeux. Alors qu'en réalité, à moins que ce soit dans un état qu'on ait pris des hallucinogènes, alors que j'en sais rien parce que j'ai jamais pris d'hallucinogènes, eh bien, on a l'esprit complètement brouillé. Je ne pousse pas, c'est l'esprit qui pousse. Pourquoi, encore une fois, des cinéastes, Bunuel, Roque Grillet, se sont placés en dehors justement de ce qu'on appelle ce sens commun et on fait des films extraordinaires. Que ce soit avec une caméra, ou que ce soit avec un stylo, vous allez vous mettre à essayer de décrire le Panthéon. Vous n'allez pas décrire le Panthéon. Certainement, Don Juan. Continuons. Ce qui importe pour le romancier, c'est la façon même dont vous arrivez à reconstituer le Panthéon et c'est ce que ce Panthéon évoquera pour vous, si vous voulez. C'est l'activité de votre esprit dans le rappel de la chose, dans l'action de ce souvenir. Tandis qu'au cinéma, eh bien, je ne pourrais pas montrer cette action de l'esprit. Je pourrais simplement donner d'un seul coup le Panthéon. Je prépare une thèse sur Proust. C'est la raison officielle de mon séjour en France. J'aime flâner dans les vieilles rues de la rive gauche, plein de boutiques d'antiquaires et de librairies. Est-ce qu'il y a des auteurs depuis la guerre dont on peut dire qu'ils sont très grands écrivains? Alors, c'est moi qui peut-être vous interroger. Je le demande parce que moi-même, je n'en ai pas trouvé. Ce qui me frappe en France, ce sont les étalages de livres à l'extérieur. On peut les feuilleter et même lire des pages entières en toute tranquillité. Le soir, à la maison, je lis aussi mes autres choses. J'aime poursuivre plusieurs lectures de front, chacune ayant son temps et son lieu, toutes me transportant hors du lieu et du temps où je vis. Mais je ne pourrais pas lire si j'étais seul dans une cellule au mur nu. J'ai besoin d'une présence physique à mes côtés. Aujourd'hui, Éric Rohmer, vous lisez moins que vous ne relisez. Oui, actuellement, je réfléchis un peu sur quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a inspiré dans mon enfance, et finalement, ça ne se voit pas, c'est tout à fait en filigrane. C'est la Comtesse de Ségur. Et finalement, il y a une certaine affinité entre la Comtesse de Ségur et le nouveau roman. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que elle écrit pour des enfants. Et elle décrit les choses, enfin, si vous voulez, de façon très simple. Très souvent, on nomme simplement les choses sans rien y ajouter. Et elle parle des choses de la vie qui paraissent futiles, qui paraissent intéressantes pour les enfants et qui ne sont pas dans les romans. Pourquoi? Il pleut toujours en Bretagne. Ah oui, mais ça, c'est le charme de la Bretagne, n'est-ce pas? Vous trouvez? Moi, je préfère le soleil. Ah, il s'attrape. Le sable chaud. Mais oui. Ils ne sont pas dans les romans réalistes, par exemple. Ils ne sont pas dans. Ils sont pas dans Balzac. Comment? De toute façon, je préfère l'hiver. Ils ne sont même pas dans vos passants. Et voilà ce qui m'a inspiré, effectivement. Vous êtes un grand lecteur de Balzac, de Dostoïevski, de Stevenson. Comment est-ce que vous définiriez la quintessence du roman? Ben, la quintessence du roman, c'est d'être long. C'est pour ça que c'est assez difficile. Écoute bien ce que je compte. Un jour, qu'au bois allégétesse où ma tante laissée, j'avais reposé cette demoiselle.
car ma confiance était en elle. La quintessence du roman, n'est-ce pas tout simplement Perceval le Gallois, que vous avez adapté en 1978 et dont vous parliez au micro de Claude Jean-Philippe. Bon, alors, si vous voulez qu'on parle du roman, vous dites Chrétien de Troyes est le premier romancier français, même, je crois, européen. Je crois que c'est très important pour vous, le roman, Éric Romain. Oui, le roman est très important. Ben, on est à la naissance du roman avec ces personnages, non ? On est à la naissance du roman, du moins du roman occidental, puisqu'il existait des romans dans l'Antiquité. Alors, non, mais la composition générale du film... La composition générale du film, oui, c'est romanesque. En fait, il y a tous les thèmes romanesques. Et même, non seulement il y a les thèmes romanesques, mais ça, c'est un lieu commun, c'est évident, voilà, c'est-à-dire le trajet, l'errance, la rencontre, etc. Ça va de soi. Mais il y a aussi la structure romanesque. Ainsi, en la forêt hilante. Et maintenant, le cœur du ventre, pour le doutant, lui réjouit. Et pour le chant que il ouit des oiseaux qui joivent faisaient. La fidélité à une époque, pour moi, c'est la fidélité à ce qui reste de l'époque. C'est pas une recherche vaine de ce que peut être l'époque, en tant que telle. Des oiseaux qui joivent faisaient. Et je crois que même s'il est vrai que ce sont des représentations, il y a tout de même une part de vérité. Pour la douceur du temps serein, il ôta au cheval son frein. Et le laissa aller paissant. Est-ce que cela veut dire que les acteurs doivent parler comme au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle ? Non, il y a des dictions qu'on ne peut pas avoir, par exemple. Là, je ne peux pas dire « il est toi », mais « je voudrais », mais « c'est moi, l'aurait ». Non, on ne peut pas, ce n'est pas possible, c'est ridicule. Alors, on est obligé de garder la prononciation actuelle, effectivement. N'avez-vous jamais vu personne à qui ce portrait ressemble ? C'est Astrée, notre bergère. Mais qui a pu le faire ici, loin de notre village ? On m'a reproché d'être littéraire. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, je pense que Racine est naturelle. Et je m'aperçois qu'il y a des tas de films dans lesquels on a beau employer des tournures modernes, on a beau employer de l'argot et tout ce qu'on veut, c'est pas naturel du tout. Le naturel, c'est faire que... Où suis-je ? C'est faire qu'on oublie complètement que le personnage est un personnage qui est créé par un auteur, c'est de faire comme si c'était lui qui inventait son texte. Se souvenant de sa chute dans la rivière et de l'opinion qu'il avait eue d'être mort, il ne savait que juger, sinon qu'amour l'eût ravi au ciel pour récompenser sa fidélité. Je pense que c'est une mission, quand même. Je pense que lorsque je prends des œuvres anciennes, j'ai la mission d'être conservateur du patrimoine. Je n'ai pas le droit de les modifier. On n'abîme pas l'astrait, le roman, en le filmant, parce qu'on y ajoute quelque chose. Mais si vous prenez le roman de Balzac, vous ne pourrez rien y ajouter. Vous enlevez, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ajoute quoi ? Mais j'ajoute la nature, parce que dans ces romans, il n'y a pas de description des paysages. Il y a des mentions des paysages, il n'y a pas le sens de la nature qui apparaîtra plus tard, à partir du XVIIIe siècle avec Rousseau. On ne la sent pas vraiment vivre. Des éléments, par exemple, comme le vent. Il y a beaucoup de vent. J'ai eu la chance d'avoir du vent. Mais ce n'est pas du tout un roman. Qui êtes-vous ? Mais alors, Éric Romère, je suis Astrée. Quand vous exhumez l'Astrée, Perceval ou la Marquise d'Eau, non. Ce que vous leur apportez de nouveau... C'est la mise en scène, c'est le fait que c'est le cinéma. Tu es Céladon ? Céladon est mort. C'est un rêve. Dieu Tout-Puissant, faites que ce ne soit pas un rêve. Faites qu'ils vivent. Je vis. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Thank you.
Vous écoutez Les Passagers de la Nuit sur France Culture. Vous venez d'entendre le premier volet d'une série d'entretiens avec Éric Rohmer, sans doute les derniers qu'il a accordés. Il les a accordés à Noël Herp et Philippe Fauvel pour une production en 6 chapitres. C'était là le premier, 6 chapitres autour des arts, propos sur les arts, sur son rapport aux différents arts, un écho en réalité à un texte qu'il avait publié dans les Cahiers du cinéma en 1955, Le celluloïde et le marbre. Retour donc sur Le celluloïde et le marbre. Et Noël Herp et Philippe Fauvel, vous êtes toujours avec nous pour cette écoute particulière, parce qu'on réentend Rohmer, on le disait tout à l'heure, ses propos pleins de jeunesse, mais qui était donc le dernier entretien d'ampleur qu'il a pu accorder, et c'était donc pour les passagers de la nuit. C'est étonnant de l'entendre revenir comme ça sur la comtesse de Ségur, ce roman d'enfance, en plus qu'il intègre à une réflexion qu'il rapproche du nouveau roman. C'est cet art-là, l'homme de culture, c'est celui qui arrive à faire des croisements comme ça, Philippe Fauvel ? Oui, je le pense. Pour la comtesse de Ségur, il y a quelque chose de très beau aussi. Je parlais de boucle tout à l'heure, mais en voilà une autre. L'œuvre est achevée, mais il avait commencé sa carrière de cinéaste avec Les petites filles modèles qu'il voulait adapter. Et ce fut un échec. Il n'a pas pu poursuivre le tournage. Et le fait de savoir qu'il a écrit, là, dans les derniers jours de sa vie, sur la comtesse de Ségur, je ne sais pas où le projet en est, s'il a achevé cette écriture. Mais voilà, il a quelque chose de très beau à cela. En même temps, je crois qu'il aimait dans la comtesse de Ségur, effectivement, il l'a dit. D'abord, un côté théâtral, le fait que les personnages parlent comme au théâtre, ça l'intéressait beaucoup, parce qu'il a utilisé un peu cette théâtralité dans Perceval. Et en même temps, quelque chose de très factuel, de très descriptif. Je crois que c'est ce qu'il aimait dans le roman. Hein. On s'imagine que Rohmer était influencé par Marivaux, par Musset, pas du tout. Il aimait le roman américain, il l'a dit dans l'émission qu'on vient d'entendre, il aimait Faulkner, il aimait cette littérature américaine popularisée dans les années 50. Et je crois que c'est de ça qu'il est parti pour faire son cinéma, hein, d'un goût du behaviorisme, de la description, d'une certaine banalité, d'une absence de psychologie. C'est à partir de ça qu'il va construire son réalisme cinématographique. Hein. Et je crois que ce n'est pas du tout contradictoire avec la tradition classique française à laquelle on l'apparente. Rohmer, c'est ça, en fait. C'est un mélange permanent de classicisme et de modernité. Les deux sont mêlés de manière inextricable. Est-ce qu'on peut dire que cette série d'entretiens, c'est une manière de musée imaginaire aussi? On voit ce qu'il y a au mur, chez Rohmer, et dans son esprit, sur ces murs de culture de Noël Herp. Oui, tout à fait. C'était pas un collectionneur comme Sacha Guitry, bien qu'il eût des toiles dans son bureau, mais c'était un amateur au sens noble du terme. Un clin d'œil romérien, c'est la présence, la voix de Pascal Grégory, Philippe Fauvel, oui. Acteur romérien. Oui, on a réussi à inviter Pascal Grégory et nous étions heureux de le rencontrer. Moi, c'était la première fois, toi aussi, Noël, je crois. Et Pascal Grégory, oui, ça commence au théâtre avec Rohmer, avec Catherine Doyle Brown. Et puis ça va jusque c'est le alors, donc il y a Pauline à la plage, jeu de société, L'arbre, le maire et la médiathèque. L'arbre, le maire, il y a un certain nombre de films. Voilà, c'est ça qui est assez extraordinaire chez Rohmer, dans cette diversité dont on parlait à l'instant, c'est une extraordinaire continuité. C'est quelqu'un qui est à la fois fidèle à sa thématique, à ses obsessions d'une période à l'autre. Une grande structure. Une grande structure, c'est quelqu'un d'incroyablement... Dans ses collections. Et fidèle à ses comédiens, fidèle à ses collaborateurs. Et à l'intérieur de cette structure, il n'est pas du tout rigide, il est libre, il circule, il se promène. Pascal Grégory, qu'on entend dans le deuxième volet, qu'on va diffuser tout de suite, de la métaphore, pour parler de poésie, non pas de la poésie. Pourquoi de la métaphore comme titre de ce deuxième volet ? Parce qu'il considérait que la poésie, la figure essentielle de la poésie, c'est la métaphore, et que la poésie, finalement, avait perdu sa capacité d'évoquer, de faire surgir des métaphores naturelles, que la poésie, que finalement la terre est bleue comme une orange, d'une certaine manière signait une sorte d'arrêt de mort de la poésie, qu'on ne pouvait plus évoquer à travers des mots ronflants, des réalités sublimes, et que d'une certaine manière, c'est le cinéma qui prend le relais de la poésie et qui tout d'un coup va faire surgir des métaphores latentes, cachées, implicites à travers le spectacle même du monde. C'est la grande idée de Rohmer, hein, qui parcourt le celluloïde et le marbre. C'est l'idée que finalement, toutes ces richesses artistiques, tous ces trésors plus ou moins oubliés ou en déshérence, c'est le cinéma qui va les faire surgir parce qu'il est le simple enregistrement du réel et que la poésie, la peinture, la musique sont dans la réalité elle-même. Deuxième volet donc de la métaphore, deuxième volet de ce retour sur le celluloïde et le marbre, Rohmer et Lézard. Voilà comment on pourrait aussi sous-titrer cette série, une réalisation de Manouchak Fachaï. Ordi, par chelle foi que tu dois mis, le plus grand de joie quinquéus, d'amour en quel lieu que tu fusses. Ordi, et je t'écouterai. Fire, volontiers, les dirais. Deuxième épisode de la métaphore.
je l'aime, sire. D'amour si vrai que je n'aime tant brebis que j'ai, ni cheliquet ni allé. Il y a plus de richesse dans la nature que dans toute la philosophie. Enfin, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas. Il y a une richesse infinie dans la nature, mais je crois que le monde n'existe que par la pensée de l'homme. Bien sûr. Et que dans la pensée de l'homme, et que par le langage. Tu sais ce que c'est le rayon vert? Non. C'est quoi? C'est le dernier rayon du soleil couchant. Jules Verne a écrit un bouquin là-dessus. Ouais, j'ai pas lu. Porte-bonheur. Oui, mais peut-être le cinéaste pense le contraire. Enfin, pour le cinéaste, la nature est quelque chose de très important et à laquelle il faut quand même penser. Enfin... Mais je comprends que c'est très important, mais si lui n'existait pas, bien sûr, la nature, bien sûr, oui. Il y a le dire, le logos, enfin, sans ça, il n'y a rien. Dans les grands films, il y a non seulement un langage, mais une sorte d'émerveillement devant la beauté naturelle. C'est au cinéma qu'il revient de célébrer la nature. Telle est l'idée que vous défendiez en 1955, Éric Rohmer, dans vos articles sur le celluloïd et le marbre, en reprochant à la poésie moderne d'avoir trahi cette vocation. Vous voulez savoir, disons, le fond de ma pensée? Je ne sais pas si je dois le dire, mais tant pis. Non, ce qui vous rapproche, c'est peut-être la façon poétique dont vous vivez tous les deux la vie. Alors, non, ma grande idée, enfin l'idée générale, si vous voulez, c'est que actuellement, il manque à la métaphore quelque chose, c'est-à-dire un fondement philosophique et un fondement, presque un fondement religieux, si vous voulez. La métaphore des anciens a été fondée sur la religion, la mythologie, et ensuite, la métaphore a souvent été fondée sur la religion chrétienne, mais elle a été fondée aussi, surtout en ce qui concerne Balzac, sur une paraphilosophie, si on veut, une parareligion, qui est une religion également qu'a pratiquée Victor Hugo avec les tables tournantes. Tous les grands esprits ont cru à la métempsychose. C'est l'ancien mot pour réincarnation. Eh oui, des poètes. Victor Hugo. Un arbre est là, dressant ses branches hérissées. Une dalle s'effondre au milieu des chaussées que la charrette écrase et que l'hiver détruit. Et sous ces épaisseurs de matière et de nuit, arbres, bêtes, pavés, bois que rien ne soulève, dans cette profondeur terrible, une âme rêve. Oh, bravo! Ça tourne. 0-1, 2, première. A noir, E blanc. Et rouge. La poésie est faite pour être apprise. Moi, je pense que, actuellement, j'apprends tout le temps de la poésie. Parce que la poésie, il ne faut pas la lire, ça ne sert à rien de lire la poésie. U vert, O bleu, voyelle, je dirai quelques jours vos naissances latentes. Je peux raconter, par exemple. Et depuis lors, je veille au sommet du Leucate, comme une sentinelle à l'œil perçant et sûr. Ah, noir, corset velu des mouches éclatantes. Qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Alors. Bon, alors j'annonce. 0, 1, 3, première. Une petite mare est là, ridant sa face, prenant des airs de flot pour la fourmi qui passe. Ironie étalée au milieu du gazon, qu'ignore l'océan grondant à l'horizon. J'y rencontre parfois sur la roche hideuse. Mais aujourd'hui, plus de petites bergères. Le gros bétail a remplacé ses moutons, dont la toison, pareille à des flocons d'écume, inspirait la comparaison développée dans la seconde partie. Oui, il faut que je parle en même temps, j'ai oublié de parler. Donc c'est... Golf, oui, comment? Coupé, oui, ça va, mais bon, ben... Maître Corbeau sur un arbre perché, d'une ensemble avec un fromage, Maître Renard par l'odeur alléchée, lui était appauvri, c'est dans le danger. Bonjour. Oui, je connais. Je ne connais pas mal Le Fontaine. Moi, Fabrice Zucchini. Bon, je vais parler. Je ne parle pas pour tout de suite, si je peux commencer à parler d'ailleurs. Golfe d'ombre, candeur des vapeurs et des tentes,
lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle, I, pourpre, sang, craché, rire des lèvres belles, dans la colère où les ivresses pénitentes. Impromptu, c'est difficile pour moi. Il faudrait que je relise juste avant de citer. Je vous soufflerai. Bon, voilà. Mais il y a Mallarmé qui, alors, lui, est rude. J'aime mon amant para parce qu'il est... audacieux. Audacieux. Je le nourris... d'anguille. Oui, c'est ça, je le nourris d'anguille. Je l'envoie... Je l'envoie à Antibes. Je lui donne... un arlequin. Un arlequin et... un bouquet d'Althéa. Et un bouquet d'Althéa. Eh bien, vous voyez, ma fille, qu'on en vient à bout. Mallarmé, j'aime bien, c'est-à-dire... non, je préfère Baudelaire et je préfère Rimbaud. Mais parce que dans Mallarmé, il y a un côté quand même qui est beaucoup plus sec. Mais dans Mallarmé, ce qui me plaît, c'est la difficulté. Et je me suis astreint, d'ailleurs, parce que j'avais peur de perdre la mémoire, d'ailleurs, que j'ai un peu perdu, et beaucoup. J'ai appris... Celui-là n'est point ivre, celui-là n'est point ivre, qui trois fois peut dire, qui trois fois peut dire, blanc, blond, bois. En jouant à interviewer Mallarmé, en 1968, vous guettiez les premiers signes d'une poésie dénaturée. Au fond, pour vous, un mot compte plus par sa sonorité que par son sens. La poésie est avant tout musique. Bien sûr. L'acte de juste restitution qui doit être le nôtre est de tout reprendre à la musique. Et non moins juste retour des choses, les musiciens s'inspirent de vos œuvres. Après les gravures de Manet, c'est au tour de la musique de Debussy d'illustrer l'après-midi d'un faune. Il doit toujours y avoir énigme en poésie. Et c'est le but de la littérature, il n'y en a pas d'autre, d'évoquer les objets. Ainsi le cœur des romances à la lèvre vole-t-il, excusant si tu commences le réel parce que vil, le sens trop précis rature ta vague littérature. Que dire alors des surréalistes, qui s'éloignent encore plus de votre idéal poétique? Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la bise, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde, chantons au vent, debout, ami. Il va vers le soleil devant notre pays. Je condamnerai moins la peinture surréaliste que je le condamnerai. C'est le bateau Lavoie ? Sa poésie. Enfin, je vous dis la poésie, il y en a un surréaliste que j'aime bien, c'est Éluard. Bon. Mais, et puis Aragon, parfois, à des ouais, moments. T'as raison. En fait, c'est l'entrée et le bateau Lavoie est derrière. Le surréaliste était là, Max Jacob. Max Jacob, c'est pas un surréaliste. Mais si. Breton, je n'avais compris l'admiration qu'on avait pour lui, parce que je trouve que c'était imbuvable ce qu'il a écrit. Et j'ai relu Nadja, parce que j'ai écrit un film qui s'appelle Nadja à Paris, parce que la fille, une étudiante américaine, s'appelait Nadja. Bon. Et j'ai voulu voir à quel moment il citait Nadja. Il y a une idée qui est amusante, c'est qu'il retrouve Nadja. En se promenant dans Paris, à tous les coins de rue. C'est un peu ridicule de ma part, mais c'est comme ça. En fait, la réalité est comme ça. C'est que cette Nadja qui allait à Paris, qui était en Amérique et qui est arrivée à Paris, je l'ai toujours rencontrée par hasard au coin des rues. Parce que là, j'ai pas cru que c'était miraculeux. Je suis content de te voir. T'as trouvé facilement ? Oui. C'est beau, hein ? Oui. Magnifique. Passer par la rue des belles lunettes. Dans la rue des belles lunettes, il y a de bien jolies minettes. En tout cas, il n'y a pas un chat. Ouais, mais moi, j'ai ma minette. Et moi, mon gros matou. Je pourrais bien, dessus moi-même, quoique mon amour soit extrême, obtenir encore ce point de dire que je n'aime point. Je veux dire, c'est que vous pensez que la poésie ne peut plus exprimer notre époque. Oui, enfin. La poésie est peut-être là qui a disparu le premier, avant le roman, c'est ça. Actuellement, je crois qu'on édite, il y a encore des éditeurs qui. Mais. C'est vraiment très fermé. Que je meure. Oh, c'est la don. Pour
On ne peut plus, comme disait Verlaine, nommer les mots, on ne peut pas les nommer sans quelques méprises. C'est ça. C'est Verlaine qui disait ça, je crois, sur la poétique. C'est pas possible d'avoir des méprises maintenant. On ne peut pas embellir, si vous voulez. Ce serait pédant. On peut dire encore le pied de la chaise, parce que c'est courant. C'est ce qu'on appelle une catacrèse, c'est-à-dire une métonymie qui est passée dans le langage. Sinon, on ne peut plus créer une métaphore, je crois pas. Toute poésie est métaphore. Nous évoquons les volcans, mais c'est aussi bien à la masse d'un donjon que cette cheminée fait songer. Et devant elle, dans le matin calme, comme sorti des riches heures du duc de Berry, le paysan renouvelle le geste auguste du semeur. Mais où se cache donc la poésie? Au cinéma? Ben, le cinéma peut être poétique, je le dis dans mon texte, et bien il peut être poétique dans certains cas, comme ça. En particulier, par exemple, je pense qu'il est poétique dans la mort du héros, dans Tabou de Murnau. On voit le héros qui nage derrière une barque, qui essaie de la rejoindre, et la barque va plus vite. Et puis, il y a un moment, il y a une vague qui arrive, qui repousse la vague plus loin, et qui recouvre le héros qui disparaît dans l'eau, qui meurt. Là, je pense qu'il y a une beauté, peut-être un peu hugolienne. Là, la poésie est partout dans le cinéma. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des métaphores latentes? Oui, d'une certaine façon. Parce que là, il y a quelque chose de métaphorique entre la mer et la mort, c'est ça. Il y a dans des éléments filmés, des choses qui appellent le monde, qui révèlent le monde, si vous voulez. Dans les mouvements même du rire, des pleurs, etc., il y a des choses qui sont cosmiques, si vous voulez, c'est ça. Mais c'est une chose sur laquelle il ne faut pas appuyer, si vous voulez. On a déjà deviné où je voulais en venir. Le cinéma, nous dispensant de nommer, rend toute métaphore littéraire inutile. La beauté d'une vague captée en couleur par l'écran large rend plus que jamais superfétatoire tout artifice de style. Devant la mer telle qu'elle est, livrée à la volonté en bobine, jusqu'au fond des campagnes ou des villes poussiéreuses, les bouches n'ont plus qu'à se clore. Le mépris dont on accable d'ordinaire le cinéma vient de ce qu'on admet en lui de poésie que surrajoutée et non intrinsèque. Le temps, certes, n'est plus où l'on s'extasiait devant tel symbole lourdement explicité, mais on n'en continue pas moins à chercher dans l'insolite du sujet la preuve d'une intention poétique. Qu'on me permette d'affirmer tout le contraire, de me satisfaire du geste le plus banal, pourvu qu'il suggère autre chose que son utilité, sa destination immédiate, porte en lui comme une sorte de signification seconde. Le style des plus grands cinéastes d'un Murnau, d'un Vigo, d'un Renoir, d'un Hitchcock, d'un Rossellini est foisonnant de métaphores. Plutôt que d'en nier la présence, apprenez à les découvrir. Toute expression poétique originale repose sur une trame abstraite d'une rigueur quasi mathématique, une mise en valeur du pouvoir mystérieux, sacré du nombre. Chez certains de mes confrères, le terme de mathématicien est reproche à l'adresse d'Hitchcock, mais serait tourné à louange à l'égard de Virgile ou d'Edgar Poe. Féru de mathématiques, confiant dans les vertus de l'analyse, Poe nous le dit dans son poème cosmogonique d'Eureka. Il prétend établir l'univers sur une base géométrique et découvrir le principe général sur lequel repose la loi de la gravitation, telle que l'ont défini Newton et Laplace, car pour lui, la poésie n'est qu'une forme supérieure de la logique. Il semble que chaque geste, chaque regard, quelle que soit sa fonction momentanée, doivent en même temps s'insérer dans un système de lignes de force à l'avance soigneusement construit. C'est ainsi qu'au cinéma je conçois la figure. Il y a tout de même chez Lumière une organisation des mouvements en profondeur, en diagonale. Non, ce n'est pas qu'il y a une organisation des mouvements en profondeur, en diagonale, mais Lumière, dès le premier, si vous voulez, dès l'entrée du hangar, ce n'est pas en diagonale, c'est en triangle. Enfin, des fois, je suis conscient de ça. Et j'ai essayé, moi-même, également, lorsque je tourne, je n'y pense pas toujours. Mais elles arrivent quand même, même si je n'y pense pas. Et ça qui est bien, il ne faut pas trop y penser. Et je pense que les grands cinéastes, comme Hitchcock, de forme, par exemple, comme Hitchcock, créateur de forme, ou comme autrefois Murnau, Fritz Lang, ne pensaient pas tellement aux formes, mais elles sont là. Eh bien, moi, alors, dans mon dernier film, j'ai beaucoup pensé. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà dans le roman, l'Astrée. Mais ce n'est pas exactement, c'est pas forcément les formes de l'Astrée. Elle avait un mouchoir dessus les yeux. Il y a une scène où on voit un bras sous la tête et l'autre étendu le long de la cuisse, et le cotillon retroussé par mes gardes.
Je ne cachais pas la beauté de la jambe. L'héroïne qui dort, c'est ça. Puis à ce moment-là, le héros se penche sur elle et essaie de l'embrasser, puis elle se réveille, et c'est bon. Et à ce moment-là, il fuit. Mais elle a un mouchoir sur les yeux. Et comment mettre ce mouchoir sur les yeux? Eh bien, je prends le mouchoir et je le plie et j'en fais un triangle, comme ça. Hein hein, hein. Et c'est beaucoup plus expressif. Et là, des gens officieux d'un mouchoir lui bandent les yeux. Par la main le prennent ensuite, lui font faire deux ou trois tours, après quoi, sans aucun secours, on l'abandonne à sa conduite. Et voici tout à coup que la théorie de l'analogie que nous avions tout à l'heure mise au rebut se trouve être dotée d'un fondement nouveau. C'est qu'elle portait en elle quelque part de vrai, qu'elle n'était pas si méprisable. Aussi, loin de nous engager dans la voie déterministe, comme on pourrait légitimement le croire, cet art le plus positif de tous, insensible à ce qui n'est pas fait brut, pure apparence, nous présente au contraire l'idée d'un univers hiérarchisé, ordonné en vue d'une fin dernière. Tout ce que le ciel a fait naître ont joué partout comme ici, au Colin-Maillard. Dieu merci, je n'ai jamais trop voulu l'être. J'aime à voir. Derrière ce que le film nous donne à voir, voici le jeu tel qu'il nous ce n'est point l'existence des atomes que nous sommes conduits à rechercher, mais plutôt celle d'un au-delà des phénomènes, d'une âme ou de tout autre principe spirituel. Eva, ceint d'une nuit obscure, s'asseoir sur quelqu'un au hasard. La poésie, c'est dans cette révélation avant tout d'une présence spirituelle que je vous propose ici de la chercher. Ô suprême clairon plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Arthur Rimbaud. D'abord, il faut choisir un mot dont les syllabes expressives par une image fugitive offrent aux yeux et les temps et les lieux. Pour le choix des personnages et leurs mœurs et leurs usages, pour leurs costumes surtout, il faut du tact et du goût. Pour théâtre, le plus souvent, un paravent peut faire l'affaire. Le talent est de faire bien beau. Coup de choses avec rien. On fait avec une nappe, une robe de sultan, puis avec un châle qu'on drape, une tunique, un doliment. D'un bonnet, on fait un turban, et d'une serviette, une écharpe. D'un gris, on se fait une harpe, puis un bouclier et d'un écran. Bien costumé, l'on s'exprime par un jeu de pantomime. Les acteurs ne parlant pas ont toujours moins d'embarras. On cherche le mot et vraiment vous rirez de voir chaque mine. Jamais personne ne devine, mais c'est pourtant un jeu charmant, jeu charmant, jeu. Charmant. Passagers, c'est la nuit. Un Romer très présent, enregistré donc à la fin de 2009 par Noël Herp et Philippe Fauvel dans une réalisation de Manouchak Fachaï. Ce retour sur le celluloïd et le marbre, la totalité de la série, y compris à nouveau évidemment ses deux premiers volets, sera diffusée à partir du 15 février dans Les Passagers de la Nuit. On entendra donc les 6 chapitres de la série, le roman, la poésie, ce qu'on a entendu aujourd'hui ce soir, la peinture, l'architecture, la musique et évidemment, dernier volet, le 6e, le cinéma, un musée imaginaire d'Éric Romer tout en sont dans Les Passagers de la Nuit, donc à venir à partir du 15 février. Une dernière question à tous les deux, Noël Herp, Philippe Fauvel. Une image qui vous reste d'Éric Romer, ce serait laquelle? Un de ses films ou une de ses rencontres? Je dirais que de ses rencontres, ce qui reste, c'est son regard. Enfin, c'est un regard très clair,
toujours perdu un peu dans le lointain, et on a l'impression qu'il suivait une sorte de film intérieur, de vision intérieure, quelque chose qui n'appartenait qu'à lui, et qu'il poursuivait un rêve. Moi, c'est ce qui me reste de lui. Philippe Fauvel. Pour reprendre un extrait de film, ce serait la quintessence pour le mot, et puis dans le canapé rouge. Dans le canapé rouge, bien sûr. C'est et puis d'avoir fait du 7e art le premier art à ses yeux. Merci à tous les deux, Philippe Fauvel et Noël Herp. Les passagers de la nuit sont préparés et coordonnés du lundi au vendredi par Inès De Bruyne et Yael Mandelbaum. À la prise de son ce soir, Serge Ristich. Et à la réalisation, comme toute cette semaine, Gaël Gillon. Une adresse email, lespassagersdelanuit@radiofrance.com. Thomas Baumgartner, Les Passagers de la Nuit. On vous dit à lundi.